trouve ça, mais alors... Je vous ai dit des choses, c'est des secrets, attention. Oui, mais c'est des secrets, mais bon. Vous voyez, mais j'ai pas confiance, moi, aux arrière-pensées des gens. Vous croyez? J'en suis même sûr. Oh non, vous dites ça comme ça. Parce que voilà, on est tout seul, on se fait des confidences, on dit des choses pures et saines. Oui. Et les gens pourraient avoir des idées derrière la tête, c'est tout. Oh non, moi je pense pas, non, je pense pas, non. Écoutez, je vous parie que même... Surtout quand on est en vacances, oui, je sais, mais même Monsieur Ringo, que j'adore, s'il nous surprenait tous les deux ensemble, ben, il aurait des arrière-pensées, il croirait que peut-être, je sais pas, moi... Vous pensez ça? Ah ben... Ciel, mon mari. Voilà. Je te conseille de réfléchir. Réfléchir à quoi? Sinon je vais te faire souffrir. Je vous l'avais pas dit, Mme Ringo? Il est en colère. Cette fille-là n'est pas pour toi. Ah, ça je le sais, hein. Elle a déjà une autre vie. Depuis qu'on lit ça dans tous les journaux, alors si on le sait pas... Et tu ne peux pas me faire ça. Elle est la femme de ton ami. Je sais. Je sens mon cœur tout déchiré. Aïe, 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 aïe. Entre l'amour et l'amitié, je voulais dire le contraire, et l'amitié que je ne peux départager. Ne la regarde pas de trop près. Sur ce que j'ai plus cher, je n'ai rien fait. Tu ne pourras jamais l'aimer. Ah, ça, je suis. Elle est folle de moi. Et puis sûr de lui en même temps, mais d'accord. Si j'ai rien tu dit. Ne vois pas d'inconvénient, je suis innocent, hein. Je vais la prendre dans mes bras. Ben oui, d'accord, c'est normal. Tout à cette fait normal. Cette fille-là n'est pas pour toi. C'est l'une des femmes de ton ami. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous êtes peut-être coincé. Oui, je suis coincé. Ça y est. Parfait. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est la dernière vous phrase. Vous avez très bien entendu. Non, mais j'ai entendu, c'est l'une des femmes de ton ami. C'est ça. Maman chérie, quelle époque vivons-nous?